ancien PC a rendu l'âme. Donc malheureusement, bien évidemment, sans PC, c'est pas possible de vivre entre guillemets, que ce soit pour les mails reçus, que ce soit pour le travail, etc. YouTube et plein d'autres trucs, les jeux vidéo, aller sur internet, faire des recherches, on en a besoin tous les jours. Donc Marine et moi avons décidé de nous acheter un PC portable de très haute qualité, donc un HP Omen. Je vais donc, en le déballant, vous dire les caractéristiques de ce PC. Processeur Intel Core 5 Plus 8300H 8e génération. Disque dur de 1 Tb plus 16 Go de mémoire Intel Optane. 8192 mo de mémoire SDRAM DDR4 SODIMM, pas d'unité optique, Windows 10 bien évidemment, écran IPS LED Full HD avec diagonale de 39,62 cm, WLAN et Bluetooth, carte graphique Nvidia GeForce GTX, et pour le son c'est du Bang & Olufsen. Tout ça pour dire justement les caractéristiques du PC, parce que moi-même je ne suis pas du tout professionnel niveau informatique, je suis pas grand connaisseur, mais celui-là nous a vraiment tapé dans l'œil pour les caractéristiques présentes et surtout pour la fluidité qu'il va nous apporter. Ça c'est vraiment très important pour nous. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Bien évidemment là il y a un petit poster pour présenter le PC, stylé. Il y a la batterie, hein, le moins intéressant bien évidemment, mais qui est vraiment utile forcément. Donc tout est présenté avec le logo Omen. Hein. Donc, voilà la batterie. Pas vraiment intéressant, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et là en dessous cette belle petite boîte, voici le monstre. Voici le monstre. Qui pèse d'ailleurs assez lourd. Je pensais pas qu'il aurait pesé aussi lourd. Alors là, je l'ai mis à l'envers. Ok. Et après, ça fait quoi? Ok. Hop. Et voilà comment il se présente. Il est juste magnifique. Il est magnifique. Donc là, on peut voir les traces de doigts par contre. Donc ça sortira vite, mais il est magnifique. Le dessous. Port USB. Et tous les autres ports sont derrière. Port HDMI, port UE. SD, tout ça, tout est derrière. Voilà, on peut voir le design assez sportif. C'est un PC gamer, hein, tout simplement. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. C'est quand même quelque chose. Il est magnifique. Ça, on le retire. Hop. Et nous allons l'allumer pour voir ce que ça donne un petit peu. Voilà, les touches s'allument. Donc voilà, là c'est l'ouverture. Ça va me demander toutes les petites informations pour activer le PC, tout ça. Moi, le but de cette vidéo, c'était juste de, voilà, de vous présenter un petit peu le PC, ce qu'il y avait dedans. Et voilà, c'est un colis que j'ai réceptionné aujourd'hui. Donc je vous le présente tout simplement et j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sur ce, veuillez patienter. Et j'espère que le montage que je vais vous proposer sera de qualité, puisque je vais changer de monteur vidéo en plus de ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Peace. Sur moi.